croire ici que les membres des forces. Nous invitons d'abord au centre de la patinoire, directeur des opérations des remparts et gestionnaire marketing du centre Vidéotron, M. Tommy Castonguay. Honoré aujourd'hui à titre d'ancien rempart ayant marqué la deuxième époque, choix de 7e ronde de l'ECA Ligue de Rimouski en 1996. Il a porté les couleurs des remparts lors de l'édition inaugurale de 1997-98. Ce défenseur originaire de Deux-Montagnes avait auparavant évolué avec l'Océanique et les Harpons de Beaufort. Après avoir disputé une saison dans l'uniforme de l'équipe, il a poursuivi sa route du hockey junior avec les Tigres de Victoriaville et le Titan d'Acadie Bathurst. Il a rejoint un total de 253 parties dans le circuit courto, cumulé 55 points et 660 minutes de finition. Sa carrière professionnelle s'étalera ensuite de 2001 à 2006, alors qu'il s'alignera avec les formations de Rivière-du-Loup, Québec, La Pocatière et Charlevoix de la Ligue de hockey senior du Québec et de la Ligue nord-américaine de hockey. Mesdames et messieurs, accueillez le numéro 36 de l'édition 97-98 de Vos Remparts, Frédéric Girard! Nous tenons à souligner les liens entre l'histoire militaire canadienne et le hockey. En 1919, la Coupe Memorial a été créée afin de rendre hommage aux vétérans qui ont péri au cours de la Première Guerre mondiale. Dans le cadre de ce match spécial, en l'honneur des Forces armées canadiennes, les remparts vous invitent à rendre hommage aux hommes et aux femmes qui portent ou ont porté fièrement l'uniforme des Forces armées canadiennes. Membre du Régiment de la Chaudière, unité d'infanterie basée à Lévis et Beauceville.